Ouais. Eh, je suis vert, moi, ici. Eh, c'est bon, hein. Ça tourne. Allez. C'est ce soir, c'est en vol avec RPR. Pour se mal aiser tout. Donc on est invité comme on était des... C'est parti, on est toujours dans le Selectrax spécial association en vol. On est toujours avec Caroline, Lolo et Romu. Bon, c'est une petite dédicace pour toi, Romu. Ouais, Romu aussi, je sais qu'il aime bien le reggae. Yeah. Lolo, t'as reconnu le titre, je crois. Ah, bah, bien sûr, bonne marée, ça. Ouais, voilà. C'est je sais que tu es un grand fan. Ouais. Mais... Donc c'est un petit remix qui est sorti cette année. Could donc l'auteur c'est Dimmel et c'est We Love Bob. Yes. Et c'est cadeau pour Lolo. Ouais. En vol, l'aventure. C'est l'aventure. L'aventure. Fréquence Club RPL 99 FM. Yeah. Ouais. Mais avec lequel on fait corps et on a appris à connaître et on se sent libre, on se sent détaché de tout. Ça sort souvent de sa bouche. Le premier mot, c'est souvent, cette sensation de liberté incroyable. Et c'est particulièrement important quand on est handicapé parce qu'on se sent souvent restreint par ses capacités physiques. Et donc, ça permet vraiment de s'évader et d'oublier tout ça. D'être. C'est ce que je disais tout à l'heure, handicapé n'est pas synonyme d'incapacité. Hein. Exactement. Quel type de handicap on peut recevoir en vol, Lolo? Alors, on peut recevoir la paraplégie, bien sûr. On peut recevoir les sourds, les malentendants, les amputés, les malvoyants, les non-voyants. Par contre, les tétraplégiques, c'est beaucoup plus dur. Par rapport au son en parachute, mais c'est pas du tout une difficulté pour le reste. Après, il y a différents types de tétraplégie. Voilà, il y a la tétra bas, tétra haut, bien sûr, absolument. Faut quand même aller voir, poser la question. On a notre ami Thomas Catlin qui tient, entre guillemets, la plage. Salut Thomas. La plage à Lille. Au Solferino. Lui, il est tétra bas et il saute en parachute, il fait du LM, du parapente, il fait tout ça. C'est un grand malade. Il a raison, un grand malade dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, bien entendu.
vertige. On est bien entouré. Mais Kimbo va, je crois, bientôt faire son saut en parachute. Il paraît, il paraît. Il paraît. Hein, il va faire son saut en parachute de 4000 mètres. Oui. 200 km/h, 20 secondes de chute libre. On va voir ça. Hein. Dis-moi Lolo, on a oublié de parler d'un truc super important. D'ailleurs, Kimbo, je ne sais pas pourquoi il est toujours pas venu. Là, il ne va pas me dire qu'il a le vertige. C'est la soufflerie. Exactement, la soufflerie. Ouais. Ouais, mais j'ai peur d'y prendre goût. Oui, alors la soufflerie, comment pourrais-je dire? C'est une simulation, c'est un simulateur de chute libre dans une gaine. C'est indoor. Indoor, on peut s'exercer à la chute libre à l'intérieur. Ben voilà, dans un gros, une grosse gaine. On peut le dire, je le souligne, Envol est pionnier en la matière. On est la première équipe en e-sport, en soufflerie, et on essuie les plâtres, voilà, pour l'expression, on réussit les plâtres, pour pouvoir accueillir les handis qui voudront faire de la chute libre indoor. Donc pareil, il y aura toujours des restrictions, mais on trouvera des solutions, c'est ça, c'est l'idée, c'est de travailler ensemble et de trouver les solutions pour contrer le handicap. Parce qu'on, pour s'adapter. Ah pour s'adapter, oui, voilà. Là, il faut tout avoir. Donc, vous mettez ça dans vos calendriers. Au printemps, fin du printemps, elle devrait être opérationnelle. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur le site, vous nous contactez et on vous accompagne parce qu'on est là pour ça, pour vous accompagner dans le sport. Il y a certains de nos outils.